Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à dessiner avec nous ce soir. Je m'appelle Vanessa et je serai votre co-animatrice pour la soirée. Nous allons commencer dans quelques minutes, mais juste avant, j'aimerais que vous me disiez si dans le chat vous m'entendez bien, juste voir si le son fonctionne bien. Bonsoir, bonsoir, allô? Colombie-Britannique quand même, wow. Allô, oui, est-ce que le son fonctionne bien? Oui, le son fonctionne bien, parfait. Juste avant de commencer aussi, j'aimerais valider avec vous le matériel nécessaire pour ce soir. Donc, papier, crayon, de préférence des HB, une efface, papier mouchoir et une règle. Si jamais vous avez des questions au sujet du dessin, écrivez-les dans le chat, puis je vais prendre le temps de prendre en note, puis on va y répondre à la toute fin de la présentation du cours de dessin. Puis, si jamais vous avez des questions plus techniques, comme ce qui est du son ou de la connexion ou autre chose, je vais être disponible dans le chat pour pouvoir y répondre pour vous. Je pense que le son est bon, c'est parfait. Bonjour tout le monde. Et voilà. Est-ce que vous êtes prête à commencer? Dites-moi dans le chat. Ça semble être bon. Donc, c'est parfait. Donc, je vais laisser la parole à Lisanne. Alors, bon, faut que j'enlève ça ici. Bon, super, on est là. J'ai agrandi l'écran. OK, on est tout là. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce cours de dessin gratuit. Félicitations de vous accorder cette petite pause d'une heure pour apprendre à dessiner un visage en proportion. Alors, je vais vous présenter rapidement comment on va fonctionner. C'est sûr que je veux passer plus de temps sur le dessin que sur ma biographie, là. Alors, premièrement, juste s'assurer que votre son est au maximum, qu'il n'y a pas d'autres appareils ou d'autres, excusez, d'autres applications là, qui prennent du jus d'Internet en même temps, qu'il n'y a pas d'autres gens non plus qui sont en train de télécharger un film ou en tout cas, assurez-vous d'être les seuls à avoir la connexion pour que ça soit optimal pour pendant l'heure. Si ça coupe, vous pouvez aller rafraîchir de la petite roulette là, qui est en haut à gauche ou de vous reconnecter sur le lien. En tout cas, laissez-nous savoir par le chat là, si jamais vous avez des problèmes. Vanessa va vous répondre pour vous aider. Alors, on a une plateforme là, qui accueille des milliers de personnes, fait qu'on devrait être bon pour ce soir. Alors, vous avez besoin papier ordinaire, du papier d'imprimante. Il n'y a pas de problème avec ça. Des crayons HB, efface, règle si vous avez. Et un papier mouchoir, peut-être des cotons-tiges si vous avez ça à la portée de la main. Aussi, qu'est-ce qu'on a besoin? On n'a plus besoin de rien. On a juste besoin de passer une heure de détente. Alors, on respire. Et puis, on est déjà 492 personnes. Donc, on va s'amuser. Alors, soyez prêts aussi à vous épater vous-même, là, parce que je vais vous demander un premier petit exercice au départ, et puis vous allez être capable de faire une comparaison au bout d'une heure de qu'est-ce que vous allez avoir fait. Parce qu'on s'entend que si vous pensez juste être capable de faire des bonhommes allumettes, détrompez-vous, là, on a toute la capacité de dessiner, on a tout, si on sait tout tenir un crayon, on sait déjà dessiner, les premières choses qu'on a fait quand on était enfant, c'était ça. C'est ça qu'on veut retrouver d'ailleurs ce soir, ce plaisir là, de juste dessiner simplement, juste en étant comme authentique et sans crainte, sans peur du jugement. Alors, je fais la présentation. Je commence ici. Alors, ici, start. Alors, selon le vu. Donc, je vais vous parler brièvement de mon parcours professionnel. On va faire un dessin en 5 minutes d'un visage, c'est-à-dire que ce qui vous reste, qu'est-ce que vous avez en ce moment comme référence pour faire un visage, d'où vous partez en ce moment pour dessiner. Ensuite, je vais vous montrer, on va faire notre fameux projet de la soirée, dessiner un visage en proportion. Je vais vous montrer les réalisations de mes élèves. Et puis, si vous voulez en apprendre davantage là, sur ce qu'on peut apprendre en dessin, ça va me faire plaisir de vous parler de ça. Et il y aura une période de questions. Bon, qui suis-je, moi? Je suis Lisanne Leroy. Okay? Je suis une graphiste de formation, je suis illustratrice, là, j'ai gagné ma vie, une partie de ma vie à faire d'illustration dans le domaine de la publicité.
et de l'édition. Je suis une artiste peintre. Je travaille de l'acrylique sur toile et l'acrylique sur bois. J'enseigne la peinture et le dessin et je suis aussi une artiste en médiation culturelle. Qu'est-ce que c'est la médiation culturelle? C'est que je vais assembler des communautés ensemble pour les faire créer sur des thèmes, des thématiques là, que les gens voient ensemble. Alors, on voit ici à l'écran, j'ai travaillé beaucoup, comme je disais, en domaine de la publicité et puis dans l'édition. Et donc, j'ai fait des revues, des livres dans le domaine scolaire. Peu importe, j'en ai tellement fait que c'est ça. Je peux pas tout vous montrer, mais ça vous donne une petite idée des choses. J'ai eu des clients partout au Québec, au Canada, aux États-Unis aussi. J'ai aussi habillé de la vaisselle en illustration. Donc, peut-être c'est des produits que vous avez déjà vu passer dans les magasins comme Stoke ou dans les magasins de grande surface. Ça s'est vendu à travers l'Amérique du Nord. Et puis, c'est ça. Là, on les trouve, je sais plus si on les trouve en magasin, mais je sais que moi, je les vois en vente de garage. Fait que c'est là qu'ils sont en exclusivité de ce temps, ben, peut-être pas de ce temps-ci, là. Alors, maintenant, Vanessa, OK, parce que Vanessa, j'ai vu une bande verte, là, puis ça me disait que ça me cachait mes affaires. Alors, aussi, on voit ici des tableaux que j'ai faits, parce que c'est sûr que l'art, c'est très thérapeutique. Pour moi, ça l'est. Ça m'a sorti de bien des situations de pénibles de ma vie. Donc, ça a été dans les dernières années que j'ai fait ça. Là, depuis 2 ans, là, je fais des tableaux méditatifs sur bois. Je fais aussi des expositions en privé, des solos et des expositions de groupe. Là, mais je veux juste, si vous voulez voir plus de mon travail, là, allez sur mon site lisanneroy.com pour qu'on puisse commencer à dessiner. Alors, j'aime bien cette citation-là de Picasso. J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant. Alors, c'est ça qu'on fait ce soir. Là. On veut retrouver ça, cette espèce de simplicité que les enfants ont à dessiner sans se poser de questions, en étant juste là dans le moment présent, parce que c'est ça le dessin, c'est être là juste à observer et à créer, si on veut. La pandémie, ce que ça l'a apporté dans ma vie, moi, c'est que, bon, j'enseigne le dessin, mais j'avais plus vraiment de temps de dessiner pour moi. Là, j'en avais du temps. Alors, je me suis mis comme, pas vraiment un défi, c'était comme vraiment un besoin de m'exprimer puis de passer à travers toute cette période assez éprouvante. Et puis, moi, ce que je voyais, c'était plus, j'exprimais plus ma vision qu'il y a de l'espoir finalement là, dans tous les changements qui peuvent se produire. Donc, encore une fois, le dessin est toujours là pour moi, a toujours et peut être là pour vous aussi dans toutes les situations parce que c'est vraiment un cerveau avec lequel on travaille qui est le cerveau de la méditation puis de la relaxation. Alors, ça s'en vient à dire ça, qu'est-ce que ça fait le dessin? Bien, ça a juste des bienfaits, entre autres de calmer le mental, ça stimule la créativité. Ça nous aide d'ailleurs à trouver des solutions à nos problèmes. Plus on va créer, plus ça va venir facilement là, de trouver des solutions. Alors, ça nourrit l'estime de soi. Donc, ce que ça va faire, c'est que plus vous allez vous dessiner, vous allez prendre confiance, puis ça va se refléter dans toute votre vie, ça, la confiance en soi. Alors, ici, là, j'ai Siri qui veut me parler, là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, ici, Je vais en parler brièvement parce que ça fait partie d'un de mes cours là, de faire la compréhension entre le cerveau droit et le cerveau gauche parce que c'est vraiment le cerveau gauche qui va comme tout gérer notre vie qu'on vit en ce moment. Là, c'est-à-dire on est dans le verbal, on est dans les symboles, dans le temporel, rationnel, le logique, linéaire. Tu sais, quand on va à l'école, on va au boulot, tout on est timé comme une bombe, si on veut. Alors, tandis qu'ici, quand on travaille avec le cerveau droit, ben ça, c'est un cerveau qui est plus dans l'intuition, l'irrationnel, le non-verbal. Fait que le dessin, quand on dessine, on est vraiment dans un moment de silence, si on veut, parce que c'est il va en contradiction avec le gauche qui est dans le verbal, si on veut. Alors ça, c'est dans le fond, si on l'expérimente. Hein, c'est quand on va l'expérimenter qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est. Alors, on est rendu à notre exercice. Je ne sais pas, il est rendu quelle heure, mais je pense qu'on est bon. Je vous demande de faire un dessin d'un visage
ce que vous avez en ce moment comme référence dans votre cerveau. Là. Qu'est-ce que c'est un visage? Les chances sont, c'est des adultes qui ont fait ça ici, les chances sont que si vous avez arrêté de dessiner à l'âge de près de 10 ans, votre dessin va repartir à l'âge de 10 ans avec cette connaissance-là. C'est comme votre cerveau a emmagasiné des icônes. Et puis là, si vous n'avez pas redessiné, vous allez probablement vous dessiner ce genre de bonhomme-là. Fait que ce que je vous invite à faire, prendre un crayon papier, prendre une bonne respiration, ne pas être dans le jugement là, de « ah, oh, je suis pas bon », ou peu importe, on n'est pas là pour, on est là pour voir le progrès que vous allez faire en une heure. Alors, faites un bonhomme, vous pouvez nous le partager éventuellement sur je sais pas, sur notre courriel, là, si jamais vous voulez partager le dessin. Et puis, d'ici 5 minutes, je vais prendre juste... OK, il est 19h12, on peut se prendre 3 minutes. Mettons, à 15, on commence. Ça ne devrait pas être trop long. Ce que je vous demande, c'est de faire placer des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, des cheveux. Si il y en a, c'est sur deux personnages, il n'y a pas d'oreilles, fait que placez comme vous voulez et on va travailler en proportion à partir de là. Alors, moi, je vais déjà commencer à changer d'écran. Alors, Vanessa, tu peux me faire un petit coucou si les gens sont prêts. Si on réussit à faire leur dessin, je peux aller voir dans le chat aussi en même temps. Alors oui, il y a quelqu'un qui demande si on peut revoir le cours. Si vous êtes inscrit, vous regardez ça en ce moment, vous allez recevoir par courriel tout de suite après le webinaire, le vidéo et l'image que je vais vous montrer à l'instant. Là, Vanessa, est-ce que j'arrête tout ça? OK, merci. C'est fait. C'est bon. Alors, c'est l'image que ce qu'on va faire ce soir. Faites-vous en poche. Ben, j'ai parti d'une photo de Frida Kahlo, comme vous la reconnaissez probablement. C'est juste parce que c'était une référence connue, si on veut, et puis elle fit exactement dans un gabarit, un genre de gabarit parfait. J'ai pris un gabarit très facile. Il y en a plusieurs façons de faire un visage, mais j'ai fait ça très simple pour ce soir. Alors, vous allez le recevoir de toute façon. Ça peut vous paraître aller vite, mais vous pourrez le réécouter à votre convenance après. Alors, comment on commence? On a papier et crayon devant nous. On va commencer. Moi, je cherche mes lunettes. Ouais, les voilà. Alors, on prend une bonne respiration parce que c'est comme... Il n'y a pas de stress. Hein? Il y a toujours l'espèce de stress de la passe blanche, là, mais vous allez voir qu'on passe rapidement à travers. Bon, ce qu'on veut faire, j'ai demandé si vous aviez une règle, vous pourriez l'apprendre. Idéalement, en dessin, on ne l'apprend pas à part quand on fait de la perspective. Alors, ce que je veux faire, c'est un rectangle qui va avoir 7 par 4. OK? Donc, on peut se pratiquer déjà à faire une ligne. Prenez votre crayon. Faites pas beaucoup de pression sur votre crayon. Là, vous constatez que je suis gauchère. Vous n'êtes pas obligé de tenir ça avec votre main gauche, là. Si vous êtes gauchère comme moi ou gaucher, vous allez dessiner la portion de droite parce qu'on ne veut pas cacher son dessin. Si vous êtes droitier, vous allez commencer par ce côté-là parce que votre main est sur l'autre. OK? Donc, ajustez selon votre main la plus précise. Alors, je vais faire juste une ligne comme ça, de très, très légèrement parce que ce sont des lignes guides qu'on va enlever tantôt. OK, alors, je vais descendre. Ça n'a pas besoin d'être d'une pression, d'être d'une précision non plus extrême. Là. Si on prend la règle, c'est qu'on s'en va dans un mode de cerveau gauche. Et puis, on veut éviter ça, là. On veut juste être dans la... Alors, si c'est à peu près ce format-là, pour être en proportion, là, ça paraît peut-être pas assez foncé... Vanessa, est-ce qu'on voit bien l'écran ou? Ça pourrait être un petit peu plus foncé. Ça pourrait être un peu plus foncé. OK.
Alors, parce que moi, je veux les effacer après, mais si vous voyez bien, j'ai de l'air en angle aussi un peu, peut-être. Lisanne, est-ce que tu peux répéter les dimensions du rectangle, s'il te plaît? Oui, c'est 4 par 7. Vous pourriez le faire 5 par 8 aussi. Si on veut, c'est un chiffre, vous allez prendre ce chiffre-là, OK? Le chiffre le plus bas, puis vous allez le multiplier par 1,618, qui est le nombre d'or. Puis ça va vous donner le rectangle d'or. Tous les visages sont différents. Fait que c'est pas extrêmement important pour ce soir là, d'avoir une dimension tout à fait parfaite. Là. Bon, les faces, je dis, c'est un outil. Quand on dessine, on se reprend souvent. OK? On veut juste. Donc là, c'est mon rectangle. C'est peut-être ma lumière que je devrais diffuser ailleurs. Je vais essayer de voir si je peux. Lisanne, il y a quelques personnes qui ont de la misère à se connecter. Peut-être avertir tout le monde qu'on peut rafraîchir la page, dans le fond, pour voir mieux. OK. Alors, rafraîchissez votre page si vous avez de la misère à vous connecter ou si ça coupe. Assurez-vous que vous avez une bonne connexion, là, puis dites, chérie, débarque de la télé, là, je sais pas trop, là, faites comme, mettez votre pied à terre, là, sa connexion pour ce soir, j'en ai besoin pendant une heure. OK, c'est ça. Sinon, rafraîchissez ou retournez sur le lien de départ si ça coupe. OK, une fois que je l'ai coupé comme ça, je vais le couper en deux. OK, encore une fois. Je ne veux pas faire de ligne trop foncée. Puis, je vais le recouper en deux ici, comme ça. Donc, on va se retrouver avec un 3,5. 3,5 ici, là. 3,5. Et puis, un 2 pouces de chaque côté. Bon, ça va jusque-là. Un rectangle de fait. À partir de là, on va partir d'en haut et on va pivoter pour faire un ovale. OK. Donc, la même affaire, fouillez-la en plusieurs petits coups. Servez-vous de votre poignet comme un compas. On pourrait on pourrait tourner la feuille si on était. Moi, je ne peux pas parce que je ne peux pas vraiment tourner la feuille pour l'écran. Donc, si on est plus à l'aise de tourner notre feuille pour faire notre forme. Bon, on essaye d'être le plus symétrique possible aussi. On peut le faire un petit peu plus étroit vers la base, comme si c'était un œuf. Là. Puis bon, on voit si je me fie, si j'essaie de refaire, on n'essaiera pas de faire Frida telle quelle. Là. Moi, je peux essayer, mais donnez-vous pas cette pression-là. On veut juste mettre les bonnes parties à bonne place. Donc, une fois que j'ai fait mon ovale, je vais trouver le centre ici. Sur la ligne, je vais trouver le centre. OK? Au milieu de cette ligne-là ici. On le voit très bien. Comme je dis, vous allez l'avoir, ce gabarit-là, en PDF ou en JPEG, je ne me souviens plus, avec le vidéo. Donc, vous pourrez prendre votre temps, le mettre à côté et puis d'étudier. Ah, OK, oui, je comprends. Là, t'sais. Alors ici. Non, je vais t'arrêter quelques secondes. On va juste valider que le signal va revenir parce qu'en fait, on a encore de l'eau. OK, on est 576 pourtant, mais sinon, on a un panic button, nous autres, puis on peut vous transférer de pièces en dedans d'une seconde. Fait qu'on va juste vérifier encore. Alors, moi, je vais quand même juste placer mes yeux au milieu. Je ne sais pas si j'ai fait ma ligne au milieu. OK, je vais aller faire la pupille de l'œil. OK. Parce que les yeux se situent au milieu de l'ovale, OK? Au milieu de la tête, les yeux se situent, OK? On le voit très bien avec Frida. Ça peut paraître un grand front, mais faut s'attendre, c'est toujours en volume. Alors, ici, ce que je vais faire après, je vais juste faire l'iris, OK? Ne faites-vous-en pas, s'il y en a que ça coupe, là, vous allez, on va retransférer de... Est-ce qu'on est correct, Vanessa? J'ai posé la question dans le chat. J'attends la réponse. OK. Alors, on a un petit délai là avec vous autres. Bon, là, ça peut paraître bizarre, mais c'est ça. L'iris, c'est un peu... ça agit, ça coupe. Moi, si je vois ça, je ne vois pas. Alors, est-ce qu'on fait le panic button ou on est-tu...
ça semble, selon les commentaires, ça semble être rétabli. OK. OK, pour moi, problème, ça bug beau. OK, je vais juste... OK, c'est des vieux commentaires que je suis en train de lire. Alors, si à partir de là, on va continuer... De toute façon, l'enregistrement, je peux vous assurer qu'il va être correct. OK? Fait que ça, vous allez être capable de réécouter. Ça ne buggera pas dans l'enregistrement. Là, il va être parfait. Alors, ce qu'on fait à partir d'ici, on va aller faire comme des petits rayons de soleil qui vont partir de l'iris. OK? Quand on dessine, on est beaucoup dans l'observation. On est beaucoup dans l'anatomie aussi. Surtout si on fait un visage, on va vouloir chercher à comprendre comment c'est fait. Donc, on va juste mettre ça de façon un petit peu... on pourrait prendre le coton-tige en ce moment. Là. J'ai pas l'impression que... Je sais pas, mon ovale n'est pas fameux. Zane, comme il y a eu un petit bug, est-ce que tu peux juste répéter les étapes de base? Question que ceux qui viennent juste d'arriver puissent suivre aussi. OK. Alors, je répète... Ça va me permettre de corriger mes choses. Première chose, on fait un rectangle qui va avoir 7 par 4. 4 par 7. On va le couper en deux. Une première fois. On va le recouper en deux sur l'horizontale. OK? Fait que ça nous fait 4 rectangles. Ensuite, on va aller au milieu de ce rectangle-là ici. On va aller faire un point qui va être l'iris. OK? On voit l'image ici. On fait un point qui va être l'iris. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je faisais un petit cercle qui entourait l'iris. Et puis, je fais comme des petits rayons. Vous irez observer votre iris d'œil, comment c'est fait. C'est magnifique. Là, c'est des œuvres d'art. Là, on a tous des yeux différents. Mais en général, il y a une espèce de rayonnement qui part de l'iris. Ce qu'on peut faire après, je peux juste aller donner un petit coup de coton-tige ou de papier mouchoir là-dedans. Et puis, on continue. OK, là, j'ajuste parce que là, c'est comme si mon œil est plus au centre. Fait, comme je disais, le dessin, c'est de l'ajustement constant. OK, on fait des lignes de base, puis après, on va aller rechercher plus les formes d'un visage. Bon, à partir de là, l'iris prend... dans cette image-là, l'iris prend à peu près un quart de pouce. Là. Tout ça pour dire que ça ici, l'œil va, la longueur de l'œil, ça va être la longueur de l'iris de chaque côté. Okay? Donc, ça serait quasiment un quart de pouce. Okay? Même chose ici. J'aime pas parler en pouce là, parce que c'est comme trop mathématique. Là. On veut habituer son œil à être... être pas dans le calcul, mais être dans un calcul, mais visuel. Okay? Alors, c'est en regardant, on dit, OK, c'est à peu près là. C'est à peu près là. Ce que je vais faire à partir de là, je vais aller faire une courbe qui va aller rejoindre les deux côtés. Pour le besoin de la cause de ce soir, on va faire juste une courbe ronde parce qu'on sait très bien que les yeux peuvent avoir des... c'est pas tout à fait une courbe parfaite. On peut aller placer la paupière. Celle-là, on peut la faire un petit peu plus carrée, si on veut, à angle. Si on veut ressembler à notre amie Frida ici. Alors, je peux faire les deux côtés de façon assez symétrique. Là, mais quand on va faire du portrait dans des cours, on sait très bien qu'un visage n'est pas symétrique. Fait qu'il faut se fier à ce que notre œil va voir et non ce que notre œil ou notre cerveau voudrait nous faire comprendre. Parce qu'on est toujours si on est dans notre mental, et lui, il n'est pas habitué de dessiner, donc il trouve ça ridicule qu'on fasse un œil comme ça. Parce que probablement que si vous faites un œil, si je vous avais demandé de faire un œil, vous auriez probablement fait juste quelque chose comme ça ici, avec ça. OK, même chose, une bouche, vous allez dire, ben c'est comme ça. On sait bien que ça, c'est pas ça, ce ne sera pas ça une bouche, mais c'est des icônes qui sont encore dans notre cerveau. C'est pas des. Tout le temps une question de survie notre cerveau, il nous a emmagasiné des icônes pour nous protéger, mais là, on n'a plus besoin de ça, là. Des images de tête. Alors ici, j'ai fait une ligne en dessous de.
de son œil, mais ça, c'est pas, il n'y a pas vraiment de ligne. On va voir que c'est une lumière, parce que ça va être l'intérieur de la paupière. Fait que c'est quelque chose qu'on va faire disparaître tantôt, c'est juste qu'on voulait la placer. Bon, parfait. Alors, à partir de là, on va faire une ligne qui divise ce rectangle-là, ce 3,5-là en deux. Ça va être la hauteur du nez. OK? Bon, ce fameux nez-là, les narines, ils vont s'aligner avec le coin de l'œil. Le corps entier, la planète, toute la galaxie est très, tout est calculé, là. Ça, c'est, il n'y a rien de laissé au hasard, même si on peut penser, là. Le corps est tout mathématiquement parfait, là. Donc, c'est ça. C'est une fois qu'on le sait, ça, que les narines s'alignent là, ça peut varier encore une fois d'une personne à une autre, mais en général, c'est comme ça. Donc, ça a été la base de mon nez ici. Fait que je peux aller placer sur ce plan-là de la photo de Frida. Je vais aller placer ses narines. Et ici, ce sera en dessous, ce serait ses narines qui continuent. Alors, je l'ai fait un petit peu plus bas. Là. Si je voulais faire Frida, il faudrait que j'y monte un petit peu. Donc, elle a un petit nez un peu... pointe. Mais tu sais, comme je dis, je ne cherche pas vraiment à faire son portrait là, pour ce soir en une heure, parce que juste faire ce partie-là a pris au moins 2 heures. Donc, ce soir, on va se concentrer juste sur un côté, puis vous ferez la suite par après, là, dans le confort de votre maison. Alors, maintenant, sa bouche. Là, on peut enlever ces lignes-là, c'est sûr. On ne voudra pas ça tantôt. Dans quelques minutes, on va estomper tout ça pour donner, faire des ombrages. Donc, il faut faire attention non plus, pas faire trop des trous. C'est vraiment des petits ovales parce que sinon, ça va faire un nez un petit peu qui est vu par en dessous. Alors, je vais recouper cette forme-là en deux. Ça va être la base de ma bouche. OK? Maintenant, ma bouche, ça arrête où? Elle s'arrête dépendant si la personne fait un sourire ou pas, encore une fois, des grosseurs de bouche, mais la bouche s'arrête à la ligne de l'iris. OK? Alors, ici, une bouche, c'est fait. Bon, là, ça, c'est la base. Alors, ici, ça va être plus la... Encore une fois, ça varie d'une personne à une autre. Alors, c'est plus une vague qui va faire monter comme ça et descendre comme ça ici. Là, c'est la bouche à Frida. Et puis, si j'essaie de faire son expression, ben, je vais aller juste retourner comme ça ici, redescendre. Tout ça peuvent être des formes géométriques aussi. Le portrait, là, c'est très, très mathématique, très géométrique aussi. Là, alors, je peux y faire juste un petit rictus ici. Encore une fois, j'essaie d'être le plus... elle a des lèvres qui finissent comme ça. Des fois, ça peut être des lèvres qui finissent en courbe comme ça. Sur le gabarit, j'ai fait une courbe là, mais de l'autre côté, j'ai plus suivi sa bouche. Bon, maintenant, je l'ai peut-être faite un petit peu trop basse par rapport à elle, mais c'est pas grave. Je peux faire sa lèvre supérieure, juste sa ligne. Il n'y a rien de précis en ce moment. J'ai fait des lignes un peu... sans trop de précision. Alors, c'est le défi hein, d'un professeur de dessin de parler en même temps qu'on dessine, là, parce que on est dans deux hémisphères différents. Là. OK. Alors, on a ça ici. Déjà bien, on est placé. On va aller placer les sourcils. Là, ici, on aurait, comme je ne me souviens plus comment ça se dit en français, mais en anglais, c'est la globella, mais c'est ça. Ça, c'est l'angle. OK? Il y a un angle ici qui va aller rejoindre le nez. Mais on va quand même juste se fier à l'image ici. Bon, comment placer les sourcils? Si on prend, on fait une ligne qui va aller jusqu'à la pupille, on sait que le sourcil, il va avoir un angle aussi dans l'œil comme ça ici. Et puis, le sourcil va partir... Encore une fois, les sourcils varient d'une personne à l'autre, mais en général, ici, sur Frida, là, l'angle
commence à tourner parce que c'est un volume, le visage. On va le voir quand on met des ombrages. Tout d'un coup, ça prend un volume, un 3 dimensions. Alors, son sourcil va commencer à tourner à peu près là. OK. Alors, ceci. Quand on fait un sourcil, là, je peux enlever des lignes guides. Là. Ça, c'est sûr. Bon, je vais faire les deux sourcils parce que ça va être moins... OK, je peux refaire le même principe d'aller rechercher ça. Okay, on peut crayonner juste un peu au début, puis ensuite on ajuste. On n'essaie pas jamais de dessiner parfaitement au départ. Là. Parce qu'on travaille de façon, comme j'ai dit, globale. Bon, je voulais vous présenter aussi une efface que si vous avez l'intention de dessiner, là, une petite efface technique, parce que là, je viens de beurrer avec une efface conventionnelle, là. Fait que ça, c'est une petite efface technique qui est très, très précise. Fait que c'est très, très amusante. Et puis, on va travailler tantôt aussi avec une, ce qu'on appelle une mie de pain. Là, si vous voulez savoir le matériel que j'utilise, pour aller sur mon site, là, cours.elisanderoy.com, puis aller dans les questions-réponses, et puis je parle du matériel que j'utilise. Alors, ici, alors, qu'est-ce que je veux faire là? Bon, mettre des poils, si on veut, dans ces sourcils. Fait qu'il faut les faire, OK? Et puis, vous irez encore une fois dans le miroir pour regarder la direction des poils. OK? Ça va s'en aller comme ça. Après, ça va s'en aller comme ça. Puis ensuite, ça s'en va comme ça ici. Puis ça va venir se rejoindre comme ça ici. Donc, il y a déjà toute une étude pour faire des sourcils. C'est sûr qu'on peut les envoyer dans plusieurs directions pour que ça fasse plus naturel aussi. OK. Alors, je ne sais pas quelle heure qui est rendue. Moi, je vais être sûre que j'ai le temps de faire des ombrages. Tu peux me dire, Vanessa? Il est 7h33. OK, on est bon. Alors ici, je veux aussi faire sentir un volume. À partir de là, là, je commence juste à travailler un côté pour être capable de mettre les ombrages. Oh, j'ai oublié de placer l'oreille. L'oreille, pas compliqué. L'oreille à Frida dépasse un peu, mais d'habitude, c'est à la ligne du sourcil de l'œil jusqu'au nez. Donc, ça, c'est encore... une oreille, c'est assez complexe à dessiner. Fait qu'on va juste lui faire un... Il y a plusieurs replis dans une oreille. Donc, on va juste faire une forme comme ça ici pour le besoin de la cause. Naturellement, on voudrait y faire deux oreilles assez identiques. Si vous regardez, si vous partez de mon image quand vous allez travailler à partir de chez vous, passez beaucoup de temps à observer avant de dessiner. Au moins sur 10 secondes, regardez au moins 5 secondes, 6 secondes ce que vous avez à faire, analyser, ensuite transférer pour transférer l'information. Parce que c'est juste une question d'information. C'est pas plus dur de dessiner un visage que de dessiner une banane. C'est plus intéressant, là, dessiner un visage, mais... C'est juste l'information que notre cerveau a besoin juste de comprendre. Bon, alors je veux enlever toutes les lignes qui ne sont plus nécessaires. Parce qu'à partir de là, on fait des ombrages. C'est ça qui va mettre de la vie dans notre... qui va mettre de la vie dans notre portrait. Je pourrais, si je voulais bâtir, là, observer par observation... Bon, probablement, son ovale de tête est plus ici. Mais son visage, en tout cas, c'est une autre technique. Là, je suis mieux de ne pas vous mélanger. Là, mais c'est ça. Ici, elle va avoir comme plus une pommette. Ça va rentrer. Ça va rentrer ici. Après, c'est un petit peu plus rond. Là, on peut regarder une contreforme aussi. Ça fait partie d'un cours de comprendre comment regarder les lignes. C'est peut-être un petit peu plus ronde que ça ici. OK. Bon, maintenant, la ligne des cheveux. La plupart, il y a aussi une autre façon de calculer la ligne des cheveux. Mais moi, je vous dis que c'est à peu près ici, là. C'est là. Donc, à partir de là, on sait que les cheveux commencent. Donc, Frida, elle a des cheveux comme ça ici. Des cheveux, la même chose que les sourcils, il faut les faire. OK? Il faut les faire. Là, je vais peut-être faire une autre coupe de cheveux, là. Mais... il faut les faire, puis c'est il y a une technique pour faire des cheveux, mais on n'aura pas le temps de passer à travers ça ce soir.
Donc, on s'en allait comme ça. Là, on va faire une autre coupe pour... C'est la même chose. On les fait. On pourrait venir estomper aussi avec notre papier mouchoir. Bon, les cheveux, ça va monter aussi beaucoup plus haut que ça ici. Là. On a notre crâne, on sait où commence nos... Avec des cheveux, on peut faire les mouvements comme ça. Si on veut faire des cheveux plus foncés ou plus pâles, ça va y en tout cas, comme je dis, il y a des techniques pour... Mais pour l'instant, on va juste y aller comme ça ici. Ça part du crâne. Là, on se dit que... Comme je dis, je ne suis pas en train de faire ces fleurs, là. Alors, on prend le papier mouchoir. J'aurais dû enlever mes petites lignes en arrière. On prend le tapis mouchoir. Puis, si on voudrait revenir faire des mèches, on pourrait faire ça avec son efface aussi. Là, à partir de là, il y a beaucoup d'aller-retour en dessin. Okay? Je vais aller comme estomper tout ça. Je pourrais même enlever cette ligne-là, mais partout où il y a des lignes. C'est... Alors, à partir de là, on peut faire des ombrages. Après, on va mettre les cils et puis la bouche. Alors, je vais tenir mon crayon vraiment à l'horizontale. Là, je prends un HB, mais on pourrait faire ça avec un H. On pourrait faire ça avec des... On pourrait faire ça avec des B. En tout cas, il y a toutes des sortes de gammes de crayons à utiliser. Là, pour ce soir, on va juste prendre celui-là. J'essaie juste de... Je vois à l'écran que c'est très, très pâle. Je vais essayer de baisser juste un peu de la lumière. T'sais, si je la baisse comme ça. Peut-être mieux, ça. Alors, c'est ça. Là, je vais aller estomper un peu comme ça. Alors, je vais me concentrer sur ce que je fais. Comme je dis, le visage, c'est un volume. C'est comme une boule. C'est un cercle. Puis, il y a des lumières qui frappent là-dessus. On voit qu'il y a de la lumière qui frappe ici. Il y a toute la morphologie du crâne, là, puis c'est là que ça devient intéressant, faire l'étude d'un visage. Bon, ici, comme j'ai dit tantôt, on va faire juste l'ombrage de l'œil, c'est un globe, encore une fois, c'est comme... Donc, on pourrait s'imaginer qu'il est dans un cercle, là, si on a un squelette, là, il y a comme un trou, là, ici. Ben, il n'y a pas un trou, là, mais je veux dire... Il faut voir en transparence. Quand on dessine, c'est une des techniques majeures qu'il faut maîtriser, c'est voir en transparence. S'imaginer qu'est-ce qu'il y a en dessous. Là, il y a toujours un petit angle aussi, on le voit là, par son œil. La pointe ici, là. Il y a comme un... Bon, j'ai exagéré mon angle, là, mais... Il y a toujours un angle dans l'œil, il n'est pas droit. Là. Donc, cette petite goutte d'œil-là, là, elle va être plus basse. Elle va être en bas de ma ligne. Bon, là, je ne veux pas non plus qu'elle aille avoir les yeux trop pochés. Donc, on aime bien pas cette face-là, mais celle-là ici, quand on veut enlever des nuances trop fortes, on peut prendre cette efface qui s'appelle une mie de pain. C'est vraiment intéressant. Là, j'ai l'air d'avoir déchiré mon papier. Alors, on va faire les cils. OK? Les cils, j'en ai pas parlé, mais c'est comme des virgules. OK? Je vais juste le faire sur ça avant. Bon, je vais refaire. Enlever ça. Bon, fait que là, on a la paupière supérieure. On va faire des virgules comme ça qui montent. OK? Ils vont s'entrecroiser. Parce que les cils ne sont pas droits là, comme ça ici, ce qu'on aurait tendance à faire. C'est vraiment des courbes. Il va y avoir plus de cils plus longs sur les côtés extérieurs. Donc, je repars ici. S'assurer aussi de toujours avoir un crayon bien aiguisé. Alors, moi, je vais changer le mien parce qu'il est déjà très trop. Bon. Alors, ici, je vais aller en faire quelques-uns. Bon, c'est sûr que cette paupière-là aussi va faire un ombrage sur l'œil. Le blanc de l'œil n'est jamais blanc non plus. Là. C'est, fait qu'on va aller faire ça. OK. Rendu au centre, les cils vont avoir tendance à être plus en ligne droite.
Et puis, ils vont commencer à tourner de l'autre sens, de l'autre côté. On n'en fait pas trop. On a la même chose ici. On va aller en faire quelques-uns un petit peu plus longs. Rendu ici, ils sont en ligne, en pratiquement en ligne droite. Puis, ouf, quelques-uns là. Un petit peu trop long aussi. Là. Donc, on a ça ici. On pourrait redonner un petit coup de foncé avec le... Bon. Et puis, à quelle heure qui est rendue, Vanessa? Je veux comme être sûre de... 7h41. 7h41. OK. Alors, ici, même chose. On pourrait aussi faire des petites lignes comme ça ici, là, pour... Bon, là, j'essaie de suivre son visage. Je n'ai pas tout à fait sa forme, là, mais c'est pas... De toute façon, on fait jamais deux fois le même dessin, là, même si on voudrait. Là, c'est tout le temps... toujours une expression différente d'une fois à l'autre. Donc là, j'essaie de comprendre les volumes. Ici, il va y avoir de l'ombrage, là, ici. Il va y avoir de l'ombrage ici, en toute sa bouche. Encore une fois, c'est... prédominant là, comme forme. Je vais aller y faire ça ici. Je pourrais y faire aussi dans son oreille. Il va y avoir de l'ombrage dans son oreille ici. Vous pourriez mettre une feuille aussi, hein, parce que là, vous allez vous beurrer avec le graphite. Donc, vous pourriez mettre une feuille pour vous promener, pour ne pas tout traîner ça. Ça aussi, c'est comme c'est un volume, c'est un rond, si on veut, le bout du nez, le fait qu'on sait qu'il va avoir un ombrage ici. Et puis, je sais qu'il va avoir un ombrage, son nez va faire un ombrage, les ombres portées, puis les ombres propres, là, qu'on appelle, là, mais son nez va faire un petit ombrage ici. Bon, les lèvres, la même chose que des cils, vous allez le faire des petits mouvements. Allez vous observer après. Moi, je dis tout le temps à mes élèves, après, vous ne verrez plus la vie de la même façon parce qu'on est toujours dans l'observation quand on dessine. On regarde les gens, on regarde leurs oreilles, on dit, oh, il y a des drôles d'oreilles lui aussi. Hein? Bon, c'est toujours... Donc, on sait que c'est pas... On ne veut pas faire un gros tour noir autour des lèvres. Ça va juste être un petit peu plus foncé. On va juste... La vie n'est pas faite de lignes. Yes. Avec le dessin, on veut tout le temps aller chercher les ombres et les lumières. Bon, alors ici, j'aurais un petit peu plus d'ombre. Oups, un petit peu trop, je viens d'y pocher les yeux. Donc, urgence mi-pain. OK. Alors, je vais aller juste faire encore un petit peu d'ombrage, juste ici pour sentir son... Parce que les faces, on va le voir, je vais la prendre tantôt. Là. C'est vraiment un outil merveilleux aussi pour... Donc là, ici, on veut aller chercher un dessin. Plus un dessin va être contrasté, plus... Oups, un peu trop. Mais plus un dessin va être contrasté, plus il va être vivant. Là, on va sentir la... Surtout des risques, là, puis de... Bon, puis ici, pour qu'un œil soit vivant, là, il faut vraiment y mettre une lumière. Fait que c'est là que la petite efface est vraiment... Puis mettre un petit reflet dans l'œil aussi... On peut aller chercher juste le bord de la paupière. On peut aller y mettre des petites lumières ici. Ici aussi, dans son nez, sur ses lèvres. En tout cas, il y a toujours des lumières. Ça vient vraiment allumer là. Puis on s'entend que les regards, c'est ce qu'il y a de plus... expressif là, dans un visage. Oups, peut-être un peu trop. Parce que là, la paupière fait un ombrage par elle-même. On a des lumières qui apparaissent par les formes du visage puis par l'éclairage. Fait que ça dépend toujours. Comme là, on sent qu'il y a un éclairage ici. Même chose, je pourrais aller faire avec ma...
Je pourrais même prendre, bon, je pourrais prendre celle-là ici, mais je pourrais aller chercher des lumières, là. C'est sûr que là, je fais ça de façon grossière parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là. Mais il y a toujours des lumières qui vont aller se pointer, là, sur le visage. Encore une fois, aller-retour. Je pourrais, si vous avez des crayons qui sont plus comme des 4B, ça, c'est vraiment des crayons de dessin qui vont nous faire une belle ligne, là, des belles lignes noires ou des valeurs très... des valeurs qui vont vraiment mettre ça, faire ressortir le portrait dans son œil ici, là. Bon, fait que là, on voit très bien que je suis partie avec les mêmes proportions que Frida, mais c'est pas du tout la même personne. Hein? On va comme... Donc, à chaque fois qu'on va faire du portrait, on va aller chercher le... On peut partir, mais ça serait... Pas toujours de cette technique-là, parce qu'il y en a des plus avancées, là. Mais on va partir de techniques pour vraiment aller rechercher les proportions, le visage. Quand la personne est en trois quarts ou en angle, là, il y a comme toujours des différences aussi. Ici, il va y avoir de l'ombrage aussi. Je peux toujours revenir avec mon papier mouchoir, mais il faut s'attendre que si je reviens avec le papier mouchoir, je vais faire disparaître la précision des lignes foncées que j'avais déjà mis. Fait que là, on revient. Aller-retour, je l'ai dit, le dessin, c'est des heures de plaisir. Hein? C'est comme, je ne sais pas si vous voyez le temps passer, moi, dans ma tête, là, c'est comme, ça fait 5 minutes, j'ai commencé, ou ça fait peut-être, je ne sais pas, 2 heures que je suis là. La notion du temps n'est plus là. Okay, je pourrais y mettre aussi ici, là, dans son... On peut travailler avec nos doigts, là, à ne pas trop faire. Parce que si on a les doigts un peu moites, là, ça va... Donc ici, il y aurait, en théorie, il y aurait... Là, je suis avec un 4B, je vais aller rechercher plus un HB. Je devrais être un petit peu plus foncé, là. Et puis ici aussi, je vais avoir un petit peu plus d'ombre. Ici aussi. Il y a toutes sortes de façons de travailler en dessin. Ça peut être plus esquissé, de plus... Faut faire attention de ne pas trop foncer. On ne veut pas qu'elle ait de la barbe non plus. Puis là, je pourrais revenir encore une fois avec... Étant donné que je n'arrête pas d'estomper, je vais revenir chercher les lumières. Bon, je pourrais aller venir y en chercher ici aussi. En tout cas, des heures de plaisir. Hein? On pourrait passer des heures à faire ça sans comme... Vous n'êtes sûrement pas en train de penser à vos problèmes ou à penser à d'autres choses. Quand on fait ça, là, c'est vraiment pour nous sortir de notre routine. Juste l'iris, on peut passer des heures à travailler sur une iris. Ben, peut-être pas des heures, là, mais c'est fascinant. Là, des yeux, là, c'est... Bon, là, déjà, mon crayon est plus assez aiguisé. Puis là, ça enlève beaucoup de précision à ce que je veux faire. Lisanne, juste te faire un rappel qui est 7h50. 7h50. Alors, bon, mais coudon. C'est ça que ça donne. Alors, après ça, vous signez de façon avec pleine fierté ce que vous avez fait. Moi, c'est ça. Moi, c'est comme... pour moi, c'est loin d'être fini. C'est comme... Il y aura encore beaucoup, mais j'espère que vous avez appris quelque chose. Est-ce que vous avez... j'aimerais ça qu'on parle dans le chat.
Okay. Là, je ne vois plus rien, je vois tout embrouillé, mais on voit que on est quand même 550 personnes. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous êtes comment vous vous êtes senti pendant que vous avez fait cette petite pause de dessin? Est-ce qu'il y a un progrès par rapport à votre premier dessin il y a une heure? OK, est-ce qu'on a même pas une heure? OK, on a comme 40 minutes. Super, bon, bravo. C'est bien. OK, fait que c'est probablement que vous vous renouez avec le dessin, parce que c'est clair, vous avez dessiné quand vous étiez jeune. Donc, ou vous êtes juste remis dedans si vous étiez encore faut dessiner toujours. Alors, c'est comme, ça bouge, problème de connexion, c'est dommage. Mais comme je dis, vous allez être capable de réécouter. Ça, c'est un webinaire, hein, c'est ça, c'est comme, c'est une façon de faire qui, pourtant, on a beaucoup, on a une bonne plateforme, là. Alors, est-ce que c'est bon? OK, on a des belles... Super. Si vous voulez nous partager ça, vous pourrez nous envoyer ça. Là, Vanessa, qu'est-ce que je fais, là? Moi, je voulais juste m'en faire un petit wrap-up de... J'ai adoré le progrès. Wow, merci. Alors, vous venez de partout au Québec, ça, c'est clair, hein? Vous êtes... est-ce que vous avez écrit au départ d'où vous veniez? OK, il y en a qui s'ambitionnent, super, parfait. Alors, faites-vous-en pas, quand on a la piqûre, ben c'est ça. Puis ça prend pas grand-chose dessiner, c'est des papiers, des crayons. Alors, puis soyez pas non plus dur envers vous-même avec le dessin que vous venez de faire. Ça, c'est vraiment à force d'en faire qu'on devient, plus on en fait, plus ça devient comme, plus on en fait des yeux, plus on en fait des oreilles, on dit, ah ben, ça devient, on change nos icônes, si on veut. On dit, ah oui, c'est fait comme ça. Il faut comprendre. Le dessin, c'est faut être vraiment curieux. Il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors, beau progrès, c'est super. Ah ben, tant mieux, je suis bien contente. Alors, ben, merci Louise. Oui. Alors, Vanessa, je vais comme continuer, juste dans le sens, je vous avais même pas mis l'image. Vous l'aviez pas. Désolée. En tout cas, vous allez l'avoir en papier. Ça, c'est un dessin que Van Gogh a fait. Et puis, un dessin, ils sont trompés, en 1853. Et puis, deux ans plus tard, non, en 1880, il a fait ce dessin-là. Il est né en 1880. Bon, il a fait ça en 1880. En tout cas, peu importe. Deux ans plus tard, parce qu'ils ont fait une erreur là-dedans. Deux ans plus tard, on voit qu'il a très bien maîtrisé un dessin. T'sais, on voit ici le premier à gauche, les proportions sont vraiment pas bonnes, les mains, les pieds, la tête est trop grosse. Sur l'autre, c'est vraiment, on voit qu'un progrès se fait, même les grands artistes. Là, c'est comme j'avais mentionné, j'avais vous montré ça tantôt, ça c'est des élèves qui ont fait ça avec moi à leur premier cours, des adultes qui avaient probablement arrêté de dessiner à l'âge de 10-12 ans. Ça, c'est les gens qui ont fait le cours gratuit qui sont devenus des élèves après. Ça, c'est leur premier cours gratuit avec la même technique, OK? La technique du cadre. Ils ont fait ça. Là, je viens de vous montrer ce que vous pouvez atteindre après quelques heures de cours de dessin ou quelques heures de pratique. OK, on change de PowerPoint. Alors, ce que vous réalisez, ça, c'est les mêmes élèves du départ qui ont appris à faire du portrait, qui ont appris à regarder. OK? Ça, c'est vraiment l'observation. Comment le cerveau travaille quand il dessine? Même pas 15 heures d'ouvrage. OK? Pas 15 heures de cours. Ça, c'est les Frida que les élèves ont fait pendant la session qui vient juste de passer, qui sont en train de faire aussi. Là, il y a eu plusieurs sessions. Donc, on voit, c'est magnifique de voir tous les styles qui peuvent avec la même photo. Vous avez déjà une personnalité juste en commençant. C'est des élèves comme vous là, qui avaient jamais dessiné ou qui pensaient qu'ils ne savaient pas dessiner. Ils ont fait ça. Moi, j'en pleure. Je trouve ça magnifique là, tout voir comment ils ont l'interprétation qu'ils ont fait. OK, c'est magnifique. C'est ça. Je suis vraiment, je tombe sur le dos à chaque fois que je vois
qu'est-ce que vous êtes capable de faire en si peu de temps. Alors, c'est bon, je vous parle, s'il y en a qui veulent aller plus loin dans le dessin, on offre des cours en ligne par webinaire. C'est des cours d'une heure trente. Moi, je donne plus, parce qu'on me pose beaucoup la question, je donne plus des cours je donne plus des cours en vrai. D'ailleurs, je ne sais plus encore les gens qui en donnent, là, mais le webinaire, il y a beaucoup, tellement d'avantages que vous êtes capable de travailler à votre rythme. Vous pouvez faire ça de chez vous. C'est des enregistrements qui sont faits live. Vous pouvez poser vos questions. Puis si vous ne pouvez pas être là, ben il n'y a pas de problème. Vous avez une plateforme, vous allez les écouter de façon illimitée à vie. OK? Peut-être que vous avez passé ça sur Facebook. C'est ce qui annonçait un peu les cours. On fait de la perspective, on apprend. C'est vraiment un cours de débutant, je vous le dis. C'est vraiment pour débutants. Oh non, je ne sais pas dessiner. C'est les gens qui ont tout pris des cours avec moi, la majorité des gens ne savaient pas dessiner, n'avaient jamais dessiné ou ne s'étaient jamais accordé ce temps-là pour réaliser qu'ils ont découvert une passion. Alors, c'est ça qu'on va faire pendant le cours. On apprend des premières, il y a 10 cours. On apprend à dessiner avec qu'est-ce que c'est dessiner avec le cerveau droit. OK? C'est quoi ces deux hémisphères-là? C'est quoi leur différence? Pourquoi? C'est vraiment, une fois qu'on comprend ça, probablement plusieurs personnes connaissent ce livre-là, Dessiner avec le cerveau droit. Un livre de Betty Edwards. Elle a tellement comme, c'est une prof, puis elle a compris comment enseigner, pourquoi les élèves faisaient un progrès si fulgurant à l'intérieur d'une même heure ou à l'intérieur d'une même semaine. On part d'un dessin comme enfantin et puis en plus, on a appris à observer. Fait que ça, c'est de travailler, comme le deuxième cours, c'est de travailler avec la forme, la contre-forme. Qu'est-ce que c'est? Quand on dessine quelque chose, qu'est-ce qu'on regarde? Si j'ai à dessiner ma main, je regarde quoi? Je dessine sur les doigts? Je commence par où? Je m'en vais où? Là, c'est là que les gens, ils pensent c'est juste que vous manquez de technique. C'est juste que vous savez pas, comment regarder. On apprend tout ça. On dessine à l'envers. Pourquoi dessiner à l'envers? Parce que ça va aller tromper le cerveau gauche, que lui est habitué de tout voir à l'endroit, tout ça. On dessinera pas toute notre vie à l'envers, c'est pas ça. On dira pas, chérie, mets-toi ça à la tête, hein, j'ai besoin de dessiner. C'est pas ça, mais c'est qu'on va adapter ça pour être capable de retourner à l'endroit, mais continuer à comprendre comme si on dessinait à l'envers. On va appliquer les tonalités de gris. On l'a vu avec le portrait ici. Un visage à la ligne est plat. Du moment qu'on met des tons, des valeurs de gris autour, il prend un volume. Puis c'est ce qu'on voyait dans la nature morte. Donc ça, c'est très important de maîtriser ça. C'est des fondamentales du dessin. Alors, on va faire aussi comment faire une belle esquisse. Ça, c'est un cours, une esquisse, c'est comme une étude préparatoire aussi à faire un dessin. Donc, à faire une œuvre ou un tableau, peu importe, mais on peut rester juste à travailler des esquisses. J'adore faire juste des esquisses. Ça, on peut considérer que c'est une esquisse aussi. On travaille la perspective. Encore, c'est une autre fondamentale du dessin, la perspective. Il faut comprendre que tout ce qu'on dessine se met dans une boîte. Tout doit être, on doit voir ça en transparence, je l'ai dit tantôt. On voyait l'iris, mais on mettait la paupière par-dessus. Mais on sait que l'iris est rond. Il faut toujours faire les choses comme on les perçoit, mais les voir en transparence. Donc, ça, c'est les élèves ont tout fait ça, là, avec zéro cours de dessin avant de suivre cette formation-là. On fait du portrait. On va faire Frida Kahlo, entre autres, puis on fait Leonard Cohen. On a plusieurs images que je vais vous montrer d'ailleurs après. Puis on va faire une tête de tigre. Fait que là, je peux déjà juste le beau Léonard dans sa jeunesse, puis la tête de tigre. Alors, ce que je peux vous montrer, je vais faire un petit switch d'écran. Vanessa, tu peux-tu me tourner de changer d'écran? OK. Alors, je me change moi aussi d'écran. Je m'agrandis. Bon, non, c'est pas ça. Je me change d'écran. OK, voici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment dans ce cours-là. Je donne à peu près une centaine de pages de documentation. On apprend à travailler la contre-forme. On apprend à travailler à l'envers. On va faire sa main, OK, en comprenant qu'est-ce qu'on regarde. Je vous ai préparé des esquisses pour apprendre à travailler à l'envers. OK, ça, c'est un dessin de Picasso.
Ça, c'est un dessin de Picasso aussi. Ça, c'est, on apprend à faire du volume. Comment dans une simple forme ronde, on peut donner une impression d'être en trois dimensions? Fait qu'on a plein d'exercices comme ça, des exercices de tonalité. On fait une nature morte comme ça ici. Comment on la travaille un peu à l'envers au départ, puis après, on maîtrise plusieurs valeurs de gris. On apprend à faire de la perspective à partir d'un point de fuite. Oups, je suis partie de l'écran. Un point de fuite ou deux points de fuite, parce que c'est la base du dessin. On voit comme après... c'est pour après que vous soyez capable de tout mettre dans une boîte. Okay? Tout se met dans une boîte. Donc, c'est important de comprendre la perspective. On va bâtir une pièce. On n'est pas un cours d'architecte, non, mais on va quand même bâtir une pièce. On va apprendre les points de lumière, comment ça se comprend. Ça, c'est comme notre exercice ici de faire un espace urbain à partir d'un seul point de fuite. C'est un point et des lignes. Il n'y a aucune mesure à prendre. C'est juste d'être... C'est tellement génial. C'est magique, la perspective. Il y a un point, il y a une ligne. Il y a un point, puis des lignes, puis tout marche. Okay? Ensuite, je vous apprends à travailler des esquisses. Ça, ici, c'est Rembrandt qui a fait ça, mais j'aime bien partir des grands maîtres qui peuvent nous montrer comment ils ont travaillé ça des façons. Alors, on a fait... Ça, c'est des esquisses qu'on a faites dans le cours. Frida Kahlo, Cohen... Léonard de Vinci encore. Et puis, on apprend à faire notre fameux tigre aussi, puis à en composer un. Fait que ça, tout ça, vous voyez ça dans 10 cours. Je retourne. Peux-tu me remettre sur la PowerPoint? OK. Alors, les avantages. On a un groupe Facebook. Comment je fais pour corriger vos dessins? Comment je fais parce qu'on est, des centaines. Là. Communauté Facebook privée. Alors, on est comme tous les élèves sont là. Encore une fois, c'est à vie. Hein. Du moment que vous achetez le cours, ben, vous êtes là à vie, vous avez accès à vie, vous pouvez les faire quand vous voulez. La communauté, c'est magnifique. Les gens s'entraident. Vous allez embarquer dans la communauté. Je suis nouvelle et tout le monde va vous féliciter, vous inviter. Bon, ben, c'est comme génial. J'en pleurais les premières fois. Jamais j'aurais pensé. Je vais en devenir émotive. J'aurais pensé que ça serait si populaire, comment que les gens veulent dessiner, comment qu'ils voudraient partager tout ça ensemble. Les gens qui, en tout cas, on a des témoignages à faire pleurer. Les gens qui ont dit que c'était les plus belles journées de tout le confinement, puis la pandémie, puis tout ça, ils ont réappris à se connecter avec eux autres mêmes, puis en dessinant. On est tout le monde, chacun chez soi, mais on est tous ensemble à faire exactement les mêmes dessins, puis on échange beaucoup aussi pendant les cours en direct. Et puis, bon, sur la communauté, vous pouvez échanger, on partage, vous mettez vos travaux, vous avez des questions, vous pouvez me les poser, vous mettez mon nom en alerte, si on veut, vous mettez le nom dans le commentaire. Et puis, moi, je vais voir ça, c'est par là que je peux voir tout ce que vous faites, puis c'est magnifique. Alors, comme je disais, on pose des questions et puis on peut faire ses commentaires sur le Facebook. Ils sont actifs, je vous jure, on a au-dessus de... Il y a au-dessus de 40 000 interactions par mois. Alors, il y a beaucoup d'activités sur le site. Le cours, la session est 229,95 et taxes incluses. Si ça vous intéresse, si vous voulez comme vraiment peaufiner puis aller plus loin dans le dessin, je vous jure que c'est comme c'est super accessible pour les gens qui commencent. Même les gens qui dessinent déjà apprennent avec mes trucs. J'ai comme, je sais pas, je l'ai dit, mais j'ai 32 ans d'expérience. J'ai fini l'école il y a 32 ans. Fait que j'en ai fait des dessins, puis j'en ai des trucs. Et puis, on offre aussi l'option de faire deux versements. Alors, il y a comme un versement à 229,95 ou deux versements à 114,98. Le premier versement se fait là. Le deuxième se fait un mois plus tard. Se fait comme... un mois plus tard du premier versement que vous allez avoir fait. Alors, on a des témoignages, si vous voulez en savoir plus, ça pleut les témoignages sur le cours, c'est une belle surprise, moi c'est comme ça a réorienté ma vie, comme je dis, c'est rendu ça ma mission là, d'enseigner en ligne. Selon les témoignages, mais les gens sont contents, les gens sont là, ils sont contents, je sais pas... Je vais comment changer
ici. Lisanne, je sais que tu es humble, mais j'aimerais ça en lire un ou deux des commentaires qu'il y avait sur l'autre page. C'est sûr que les gens peuvent aller sur ton site pour pouvoir en lire plus, mais j'aimerais ça en lire un ou deux, si tu me permets. Mm-hmm. Donc, j'ai Marie-Claude Racine ici qui dit « Bonjour, je suis de Grimby, je n'avais aucune expérience en dessin. C'est fou avec tous ces trucs, comment on peut s'améliorer. J'adore, je m'amuse. Une vraie thérapie, tout le monde peut dessiner. Merci, Lisanne. J'aime beaucoup ta façon d'enseigner. » Et j'ai Nathalie Noël ici qui dit « De Montréal, pour moi, c'est une belle découverte. Oui, ça m'aide pour le dessin, mais aussi à travailler sur moi, à laisser mon côté artistique s'amuser. Je le recommande à tout le monde. Merci. » Donc, si jamais vous voulez en voir plus, donc sur notre site cours.lisanneroy.com, il y a d'autres témoignages de clientes qui ont fait le cours. Ah, ben super. Merci. Alors, c'est ça, cours.lisanneroy.com. De toute façon, Vanessa, tu vas sûrement mettre le lien si le parce que mon nom s'écrit avec un LYSE. Fait que Vanessa va le mettre dans le chat, là, le lien de mon cours, là, si vous voulez aller voir les témoignages. Ou si vous voulez aller voir aussi là, dans les questions-réponses, les outils qu'on utilise. Alors, quels sont les avantages? Ben tout ça, les avantages des cours en ligne. Ce ne sont que des avantages maintenant pour moi. Là, c'est confort. Hein? Moi, je suis en pantoufle. Vous êtes en pantoufle, vous pouvez comme être à l'aise. Vous allez à votre rythme. Vous pouvez, par rapport à ce webinaire-là, que vous pouvez pas arrêter le webinaire. Si vous l'écoutez, vous allez voir que vous pouvez pas l'arrêter. Mais nous autres, on est sur Vimeo. On a juste des plateformes de qualité. Vous allez pouvoir l'écouter, l'arrêter, le faire quand vous voulez. Donc, allez à votre rythme. Les cours sont en direct. On fait un cours en direct. Donc, vous pouvez être là en direct, poser vos questions. Et puis, on est tous ensemble, on est tous en train de dessiner. Et puis, si vous pouvez pas être là en direct, ben le cours, lendemain, 24 heures plus tard, est déjà en ligne sur un espace. Vous avez un espace membre quand vous êtes partie de la communauté. Et puis, vous pouvez aller chercher des documents, aller écouter des vidéos en tout temps, à vie. OK? Ben naturellement, vous avez la communauté Facebook qui est comme on est en train de réorganiser parce qu'il y en a tellement de monde qu'on veut comme être capable de bien vous desservir. En tout cas, encore une fois, c'est accessible à vie sur le site web. On a une garantie, si ça fait pas, si ça répond pas à vos attentes, là, je sais pas trop, peu importe la raison, il y a pas de souci, nous autres, on rembourse. Vous avez comme deux cours gratuits, si on veut. Vous avez deux cours d'essai. Vous essayez la session avec les deux premiers cours. Si ça convient pas, vous avez jusqu'à 5 jours après le deuxième cours pour être remboursé, donc annulé, de nous appeler, nous écrire, dire je veux plus poursuivre pour peu importe la raison, vous avez même pas besoin de la dire, vous annulez et puis vous êtes remboursé 100% total. Il y a pas de au complet, il y a pas de question là-dessus. Fait que ça c'est donnez-vous une chance, hein, c'est comme on vous l'offre encore. On vous l'offre de faire deux cours sans. Mais naturellement, vous allez être inscrit. Pour s'inscrire, il faut payer. C'est une plateforme que vous allez voir tantôt, que vous inscrivez, puis tout est automatisé. Là, vous allez recevoir des courriels qui vont confirmer. D'ailleurs, comment ça marche? Là, je ne sais pas si on a commencé à poser des questions, là, mais la façon que ça marche. Vous allez vous inscrire sur le lien qu'on va mettre en ligne. Et puis, ça va vous demander... Attends un petit peu. Qu'est-ce que ça vous demande? OK, ça vous demande de vous allez tomber sur la page de paiement. Ça va vous demander vos coordonnées, votre nom, votre courriel. Très important de mettre un courriel que vous allez toujours utiliser. De pas faire de faute dans votre courriel non plus. Parce que du moment que vous rentrez votre courriel, que vous avez choisi que vous prenez un versement ou deux, vous avez votre choix là, le courriel part, vous avez rentré votre carte de crédit, ce courriel-là va devenir le courriel intergalactique qui va se transformer dans toutes les plateformes, là, dans la plateforme de cours, la plateforme de courriel, des infolettes, de paiement, puis tout ça. Donc, ce courriel-là, bien noté que vous prenez toujours le même courriel pour nous rejoindre. Parce qu'il y en a qui nous écrivent, j'arrive pas à me brancher. C'est parce qu'ils ont plusieurs courriels. C'est mon cas. J'ai comme une dizaine de courriels. Là. Fait que faut toujours se souvenir avec lequel vous avez fait votre achat. C'est le plus important.
Vous allez recevoir à peu près dans la seconde qui suit la confirmation de votre inscription. Et ensuite, un courriel, un deuxième qui suit tout de suite après, qui va dire tout ce qu'il faut savoir pour commencer. Sur ce lien-là, il va avoir aussi un mot de passe qui est déjà créé pour vous. Et puis, vous allez juste aller sur ce mot de passe-là, puis là, vous allez avoir accès à la plateforme de cours. Là, c'est sûr qu'il n'y a rien, parce que les cours commencent. Je n'ai pas encore écrit. Les cours commencent le 15 septembre. Alors, je vais juste changer ça. Les cours pour l'introduction au dessin, c'est les mardis soirs, de 19h à 20h30. J'excède tout le temps. Je suis très généreuse quand j'enseigne. Moi-même, je vois même plus le temps passer. Puis j'ai l'impression qu'une fois, j'écoute donc, il est-tu minuit? J'entends personne. Mais non, il y a comme 300 personnes en ligne. Mais moi, je suis là qui parle tout seul à dessiner. Mais ça, on se rend pas compte le temps qui passe tellement rapidement. Donc, en direct, les mardis. Vous pouvez pas le faire en direct, il n'y a pas de problème. Vous avez accès en tout temps à vie. Il faut simplement avoir, si vous décidez de pas poursuivre après deux cours, vraiment annuler. Parce que pour nous, ça va être, on ouvre on vous donne les clés du magasin. Une fois que vous êtes inscrit, vous allez avoir accès à tous les cours sans restriction. Donc, il faut vraiment avoir annulé avant les 5 jours qui suivent le deuxième cours. Je sais pas si je suis claire, là, mais c'est à peu près ça. Alors, c'est ça. Et puis ensuite, ben, tout est accessible. Puis comme je dis, l'enregistrement, dans 10 ans, vous voulez refaire un cours. Comment c'était quoi déjà le cours sur le tigre ou peu importe? Puis c'est ça. On a plein d'autres cours aussi qui suivent ça. C'est vraiment une introduction au dessin. Pour faire les autres sessions qui vont suivre, il faut avoir fait celle-là parce que c'est de la base, puis c'est essentiel là, de poursuivre avec d'avoir au moins cette base-là avant de poursuivre autrement. Alors, je ne sais pas si j'ai des questions, parce que le webinaire, il peut comme expirer dans pas grand temps. Là. Est-ce qu'il y a des questions, Vanessa, pour... On a encore un peu de temps, donc on va y aller avec des questions. J'aurais une première question de José qui demande comment réussir, dans le fond, les deux côtés de la même façon pour un visage. Ben, ça va être vraiment par observation. Là. Si, ça va être par observation. Regardez, c'est les mêmes mesures. OK? On a les mêmes mesures. Donc, il faut faire le côté, finalement, qu'on est. Si vous êtes droitière, commencez à gauche. Et puis, après, transférer l'information, essayer de la faire la plus symétrique possible. On sait qu'un visage, c'est jamais symétrique de toute façon. Fait que c'est pas grave, là, mais si on prend. On regarde quelqu'un, on va vraiment observer qu'il n'est pas tout à fait. Qu'il n'est pas parfait. On n'en veut pas des personnes parfaites. Là. C'est trop dur. C'est dur à vivre, des personnes parfaites. Alors. C'est ça, c'est comme ça. Il y a pas de, c'est à force d'en faire aussi là, qu'on va corriger. Puis tu sais, faut pas gêner de corriger aussi. De revenir sur ces lignes-là, revenir, observer, dire oh là, il me semble qu'il est correct, celui-là, il me semble qu'il est croche. Tout le monde fait ça. Là, toutes les artistes vont comme se remettre en question sur ce qu'ils ont fait dans les lignes, dans la compréhension, dans le côté spatial des choses. Pas de dire qu'on n'est pas bon, mais c'est comme, OK, ça marche pas, il me semble que l'angle n'est pas bon. On l'efface, on recommence. Fait que, gênez-vous pas de corriger vos propres dessins au fur et à mesure que vous les faites. J'ai Nicole qui demande quel outil on aurait besoin pour les cours. Les outils sont indiqués, ben, premièrement, si vous inscrivez, vous allez recevoir tout de suite la liste d'outils. Sinon, si vous posez les questions avant de vous inscrire, sur encore sur le lien, je sais pas si tu l'as mis, Vanessa, le lien de cours.lisanarois.com, on a un onglet qui est en haut dans le menu qui est questions-réponses. Et dans une des questions-réponses, c'est quel matériel j'aurais besoin. Je vais avoir besoin pour faire le cours. Donc, c'est quand même simple. Des crayons HB, les HB, des B en montant. Il faut aller jusqu'à 9B, là, tu sais, comme partir de 7H à 9B. On peut partir quand même de 2H à 4B. Là, on peut être plus restreint, mais on peut jouer là-dedans. On va avoir besoin d'une efface, une mie de pain,
la fameuse mie de pain, la petite Tombow ici, qu'on trouve dans les magasins d'art. OK, c'est pas. Puis moi, je recommande un livre aussi, un cahier de dessin, mais comme vous avez vu, je travaille sur du papier d'imprimante tout le long des cours. Pour moi, c'est plus facile. Puis ça, on veut un papier fin qui n'a pas de texture. À part de ça, on n'a pas besoin de grand-chose. On ajoute. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, vous allez voir sa liste, mais il n'y a pas. C'est vraiment simple, simple. Le dessin, les crayons, efface, papier. Règle pour les deux cours de perspective qu'on va faire. C'est le seul temps, mais c'est même pas pour mesurer. C'est vraiment juste pour faire des lignes droites. Donc, c'est lui qui demande si on peut écouter, dans le fond, à différentes journées le cours si on n'est pas disponible une journée en précis. Ou alors... Absolument, absolument. Vous allez, vous pouvez, à partir 24 heures après, le cours est mis en ligne. Donc, il est mis en ligne, il est mis sur le site web, sur la plateforme de cours. Donc, vous pouvez l'écouter à partir de là, vous pouvez le réécouter, il n'y a pas de problème. Il s'avance, il s'arrête, ça c'est important. Parce que ce webinaire-là qu'on est en train de faire en direct, il est enregistré, il va vous être envoyé aussi tout de suite après avec le dessin de Frida Kahlo. Et puis, vous ne pourrez pas l'avancer et le reculer. Mais ce qui est un peu gossant, ce qu'ils allaient encore réécouter tout ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas m'arrêter de parler. Mais les cours, par exemple, sont sur Vimeo. C'est pas sur Zoom, c'est sur Vimeo. Et puis, c'est comme... c'est accessible en tout temps. On peut reculer, avancer, puis les refaire. Parce qu'il y en a des gens qui, bon, c'est soit ils travaillent soit ce soir-là, ils peuvent pas, ou vous avez quelque chose, arrêtez-vous pas de vivre pour le cours dans le sens que vous pouvez le refaire quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. La session a combien de cours? La session a 10 cours. Comme la prochaine session commence le 15 septembre. Je prévois déjà la question parce qu'il y en a d'autres qui le posent souvent. Il n'y aura pas d'autres sessions qui vont commencer en 2020. Ça va aller en 2021. Donc, c'est la dernière chance de s'inscrire pour faire le cours d'introduction au dessin. Ensuite... Est-ce que tu donnes des cours plus avancés que les cours d'introduction? Oui, j'ai des cours plus avancés, mais il faut vraiment... Ça commence en septembre aussi. Mais je répéterai pas, je vais pas répéter c'est quoi les valeurs de gris, les perspectives, tout ça. Fait qu'il faut vraiment que ce soit des gens qui ont une base très solide en dessin pour aller dans cette nouvelle session-là. Fait que ça, c'est peut-être de nous écrire si jamais vous avez déjà de l'expérience. Vous pouvez comme écrire à info@lesanarois.com. qui est là, et puis on verra là, que si c'est possible pour les gens qui ont déjà un certain bagage en dessin. J'ai Chantal qui demande où on peut aller s'inscrire pour la session. OK, alors Vanessa, tu dois avoir mis le lien. Je vais mettre le lien dans le chat. Je peux aussi vous l'envoyer dans le fond à tout le monde directement, donc soyez pas surpris, là, il va y avoir une petite page qui va s'ouvrir. Donc, ça va être la page pour s'inscrire. OK. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est très facile d'avoir un lien. Puis là, en plus, comme je dis, vous allez recevoir un courriel qui va dire « Voici le webinaire de ce soir. » Puis, il va sûrement avoir un lien là aussi. Puis sinon, ben, vous pouvez aller à cours.lesanarois.com. Je pense que on tombe sur la page d'inscription de départ. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez déjà aller vous inscrire au groupe Facebook. Pour le groupe Facebook, si vous vous inscrivez ce soir puis vous voulez aller sur le groupe Facebook, il va être important de répondre aux questions parce qu'on a des centaines de demandes pour joindre le groupe, qui est un groupe privé. On prend personne d'autre que des élèves. Donc, il y a déjà beaucoup de monde qu'on les refuse. Donc, il y a deux questions à répondre. La première, êtes-vous inscrit au cours de la session, à la session de 10 cours? OK, c'est pas un cours gratuit. Il y en a qui disaient, je suis inscrit au cours gratuit. Non, c'est de la session de 10 cours. C'est exclusif aux élèves. Donc, êtes-vous inscrit à la session de 10 cours? Vous allez répondre oui. Vous pouvez même marquer la session de septembre. OK? Et puis, il y a comme 10 règlements qu'il faut lire. Et j'accepte les règlements simples, là. Mais quand même, ça nous confirme que vous êtes conscient que
que c'est important d'être poli, puis de rester honnête et poli dans tous les échanges avec les autres personnes. Alors, c'est ça qu'il faut faire si vous allez vous inscrire au groupe Facebook. Mentionnez que vous êtes inscrit à la session de septembre. Et là, je vais aller approuver. Okay? À partir de là, vous avez accès, vous allez voir tout ce que les gens partagent. Comme je dis, c'est des milliers de partages par mois. Donc, si vous voulez vraiment me rejoindre à travers Facebook, il va falloir écrire mon nom. OK, parce que je peux pas voir, je les vois pas toutes passer les choses. Si vous avez vraiment besoin d'informations, vous écrivez à info@lisanneroy.com. Vanessa est comme la préposée à la technologie. Si vous avez des problèmes en technologie, si c'est vos premiers webinaires en dessin et tout ça, puis si vous avez de la misère à vous connecter, peu importe, Vanessa va être là pour vous aider si vous avez votre mot de passe ou peu importe. Tout ça va être, on va vous faire un service. Là, on a des tickets et des billets. Là, du moment que vous écrivez à ça, vous avez un numéro à signer. Puis on traite les demandes pour les problèmes de connexion. Fait que ça, oui. Oui, Lisanne, avant de continuer avec d'autres questions, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Sonia, Liz, Valérie, Lucie et Jacinthe qui viennent tout juste de s'inscrire. Oui, bien bravo. Ça va faire plaisir de dessiner avec vous. OK, on va préparer, je sais que c'est juste dans un mois, mais vous pouvez déjà profiter des échanges Facebook. Ça va être assez intéressant. Vous allez voir les travaux qui passent. Vous les avez vus un peu, ce qu'on va faire. Donc, vous allez voir ces travaux-là qui passent aussi. Puis vous pouvez vous présenter, vous dire que vous êtes de la cohorte de septembre, et puis comme je dis, vous allez être super bien accueillis par tous les membres de la communauté de dessin. J'ai Élodie ici qui demande, est-ce que les cours en live sont aussi rapides que la session d'aujourd'hui? Comment que ça fonctionne en fait pendant le cours live? Ouais, ah non, c'est vraiment c'est pas aussi rapide. C'est une heure et demie aussi, c'était quand même, puis c'est très ciblé. Là, c'est vraiment monter à faire un visage en 40 minutes, là, c'est sûr que ça allait vite, mais c'est juste pour vous montrer un peu la technique. C'est très, très... S'il y en a plusieurs élèves qui vont regarder le live, qui vont le regarder comme il faut, puis qui après vont le réécouter pour le faire de façon plus tranquille. Puis ils sont capables d'arrêter, puis ils disent « OK, je prenne leur temps. » Parce que dessiner, veut pas, ça prend du temps. On peut pas dire, on peut pas faire ça stressé, dessiner, ça marche pas. C'est pas compatible. Le dessin, c'est pour relaxer, c'est pour vraiment, c'est se détendre, c'est un plaisir dessiner, faut faire ça à son rythme. Si vous êtes pas à l'aise de travailler en même temps que moi parce que ça va trop vite ou Mais ça va pas si vite que ça. Ça va pas si vite que ça. Mais moi, je le conseille pour certains de vous allez le voir de toute façon. Vous allez voir comment vous vous sentez. Est-ce que je peux dessiner en même temps que Lisanne? Parce qu'encore une fois, le cerveau, celui qui est en train de dessiner, puis est en train d'entendre quelque chose en arrière, puis là, vous êtes obligé de regarder l'écran, de dessiner en même temps. Puis ça peut être pour certaines personnes plus difficile. Il y en a d'autres que ça coule comme dans du beurre, là. C'est comme du beurre dans le poêle. Fait que c'est ça. Il y en a que ça va super bien. Ils le font en même temps que moi. Fait que ça va aller selon les gens, l'adaptation des gens. J'ai Roxane qui demande, c'est quand la date limite pour s'inscrire? La date limite pour s'inscrire, on envoie les documents le lundi. Tous les lundis, tous les documents, j'ai oublié de le dire ça, que tous les lundis, tous les documents sont envoyés avec le lien vidéo. Votre cours va être le mardi. Donc, vous avez comme une journée pour imprimer vos documents. Parce que ces documents-là, il faut les imprimer. Donc, ayez une imprimante ou des amis qui ont une imprimante ou vous imprimez ça au bureau ou allez chez Bureau en gros, peu importe. Je ne travaille pas pour Bureau en gros, je ne fais pas de la publicité, mais allez dans un endroit où ils font des copies ou vous imprimez ça.
Je me souviens déjà plus de la question. Si, quoi? La date limite pour s'inscrire. Oh, la date limite, OK. La date limite, bon, étant donné qu'on envoie les documents le lundi, c'est-à-dire que ça va être le mercredi, le 14 qu'on envoie les documents, il faudrait que toutes le dimanche, le 13, les inscriptions soient terminées à minuit. OK? À minuit pour que là, nous autres, nos listes soient toutes prêtes à partir. J'ai Marianne qui demande comment on fait, en fait, pour rejoindre le groupe Facebook. Pour rejoindre le groupe Facebook, il faut être inscrit à ce cours, aux sessions de dessin. Okay? On ne peut pas rejoindre le groupe Facebook si on n'est pas élève de la session de 10 cours. Fait que c'est ça. Fait que là, si je vois, j'ai écrit aux gens, là, tu sais, vous m'avez demandé pour être dans le groupe, mais si vous n'êtes pas inscrit au cours, il y a peut-être déjà, on est déjà beaucoup de monde, puis on veut juste partager entre nous les mêmes défis, les mêmes interrogations sur les dessins. Puis du moment qu'ils sont inscrits dans le cours, comment ils font pour avoir accès au groupe Facebook? Okay. Du moment qu'ils sont inscrits sur la plateforme, Vanessa, tu peux le dire, mais c'est ils sont, vous avez, il y a comme un onglet. Il y a un mot de bienvenue à gauche, mot de bienvenue, puis ensuite, ça dit... Groupe Facebook. Vous cliquez sur groupe Facebook, il y a un lien qui vous emmène tout de suite là. Là, vous demandez à être approuvé en répondant aux questions. Exactement. Fait que là, je voulais juste rappeler une petite affaire. La façon que ça fonctionne, c'est ça. C'est que le lundi, tout le monde, les élèves reçoivent les documents et le lien pour se brancher par Vimeo. Le lien va changer. OK? Ça change à l'occasion. Donc, toujours prendre ce lien-là pour le direct. Ensuite, le soir même, à 6 heures le soir, vous avez un rappel. N'oubliez pas que vous avez un cours ce soir. Voici les documents et voici encore le lien. T'sais, si vous avez perdu le courriel de la veille, on vous rappelle ça. Vous recevez pas le courriel pour une raison ou pour une autre. Il est tombé dans vos courriels sur la plateforme. Les documents sont là. Et le lien est là. Une fois que le cours est fait, une fois que le direct est passé, on a fermé la pièce d'enregistrement, le cours va être enregistré et mis le 24 heures plus tard sur la plateforme. Fait que ne retournez pas sur le lien Vimeo du direct parce qu'il n'y a plus personne dans la salle. On n'est plus là. Tout le monde est rentré. Tout le monde n'est plus là. Alors, c'est ça. Fait qu'allez retourner sur la plateforme pour voir l'enregistrement. Fait que ça, c'est bien important. Là, les gens, des fois, ils sont là, hey, j'essaye, puis ça ne marche pas. Ben, vous n'avez pas le bon lien. Fait que c'est parce qu'il y a des liens directs et il y a les liens pour les enregistrements. Fait que vous êtes bien suivis, là, dans, tu sais, comme pour les rappels, pour les documents. Vous les recevez deux fois, puis ils sont toujours sur la plateforme. Ils sont pas sur Facebook. Il n'y a pas rien qui va être partagé sur Facebook là, pour les documents puis les liens. Parce que vous êtes pas, vous avez pas tous les mêmes liens. Là. Il y a plusieurs groupes. J'ai Manon qui demande, en fait, c'est quoi le délai pour comme tester le cours, voir si ça fonctionne. OK. Ben c'est deux semaines. Vous allez à les deux premiers cours, finalement. Qui sont le cours d'introduction pour le cerveau et la contre-forme. Fait que ça, c'est vraiment des cours de base. Vous avez vu ce qu'on fait après, mais ça, c'est après ces deux premiers cours-là, si je ne sais pas trop, peu importe la raison, ça ne marche pas, c'est vous avez jusqu'à 5 jours. Parce que là, il faut qu'on vous enlève de tous les liens qui vont être partagés à tout le monde après. Okay? On s'entend qu'une fois que les 5 jours sont passés, on ne pourra plus vous rembourser parce que la façon que tout est automatisé, ça ne marchera plus. Donc, c'est très important de ne pas dépasser le 5 jours après les deux premiers cours. Donc, je n'ai pas de calendrier devant moi. Il y a le 15, puis après, plus 7, plus, en tout cas, ça va plus 5 jours, ça va faire la date limite. Je vais le répéter de toute façon. Quand le cours va avoir lieu, le deuxième cours, je vais dire, ben c'est ce soir, là, tu sais, si vous voulez... nous abandonner, c'est ce soir. Puis, la plupart du temps, il n'y en a pas beaucoup de monde qui part. En général, là, les gens sont assez satisfaits. Mais c'est ça. S'il y en a des fois qui sont trop avancés ou ils ont l'impression que c'est ça, c'est pas pour eux autres. Il n'y a pas de problème. On ne pose pas de questions puis on vous rembourse. Ah, j'ai Joanne ici qui dit qu'elle vient de s'inscrire. Donc, bienvenue, Joanne. Félicitations pour ce cadeau que tu te fais.
Après ça, j'ai Katia qui demande à quelle heure on envoie les liens le lundi. Les liens sont envoyés à midi. OK. Les liens sont envoyés à midi. Puis ensuite, si vous êtes resté inscrit, si vous restez là, puis vous êtes là après les deux semaines d'essai, tous les documents vont être sur la plateforme. Fait qu'en théorie, vous devriez même pas avoir besoin, si vous dites, ben moi, je veux les imprimer pour toute la session, ben vous allez pouvoir. Toutes les cours vont déjà être là. Ben, sauf les directs, naturellement. Les directs pourront pas être là, les enregistrements des directs non plus, mais les documents vont tous être là. Donc, vous allez pouvoir toutes les imprimer une fois que les deux premiers cours d'essai sont passés. Puis aussi un rappel dans le fond une heure avant le cours avec le lien pour pouvoir assister au direct. C'est ça, vous avez un lien une heure avant, tout par infolettre. Donc, vous voyez que c'est important que votre courriel soit toujours le même, pas de faute. OK, dans les courriels, parce que déjà, des fois, ça commence là à la base. J'ai pas reçu ça. J'arrive pas à me brancher sur le site web. Ben, c'est parce que Colette, elle a mis 3 T dans son nom. Tu sais, des fois, c'est ça qui arrive. C'est pas grave, mais on finit par le retracer. Mais souvent, on s'est rendu compte que c'était à la source. OK, la source, c'était le courriel qui était mal rentré. C'est ça, le courriel d'achat, là, celui que vous mettez ce soir. Soyez bien attentifs de rentrer le courriel sans faute. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, okay. Tout le monde est resté attentif jusqu'à la fin. OK. Alors, moi, je vous remercie tellement d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir de partager les proportions du visage humain. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Ça, c'était la plus facile ce soir là, pour partir du départ. Et puis, je vous invite à réécouter ce vidéo-là si vous avez trouvé que c'était allé trop vite. Puis, de peut-être plus vous concentrer avec la page, le PDF ou le JPEG, en tout cas, peu importe, l'imprimé de Frida Kahlo. Vous allez vraiment plus se ressaisir pour ceux qui ont manqué le début. Et puis, ça m'a fait plaisir de partager mes connaissances. Et puis, au plaisir de dessiner ensemble en septembre. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à info@lisanorois.com. Et puis, on se revoit en septembre pour ceux qui veulent en savoir davantage. C'est bon? Merci.